Donc première tentative d'enregistrement d'un 9 trous total, on est à Rueil-Malmaison. Je suis sous le soleil les derniers jours, il fait super beau, donc premier essai sous la pluie, un petit 9 trous, j'essaie de le détailler et on va jouer avec ma super demi-série D4. Voilà la bête, série 900, demi-série 900, des grosses pelles à tarte. Les puristes vont gueuler, je les nettoie pas. On va essayer et on va commencer par le premier trou qui est un par 3. C'est un, on est en limite compact ici, on va jouer des blancs. Et est annoncé 147 mètres au drapeau. À gauche toute. Bon, déjà que c'est un parcours assez court, là c'était censé être un par 4 qui fait 243 des blancs, donc hyper court. On part normalement de ce petit couloir, une balle magnifique en draw que je ne maîtrise pas et qui va au bout. Passage d'une pièce d'eau, mais là on part après la pièce d'eau, donc on va voir ce que ça va donner. Pas trop d'explications pourquoi avoir raccourci ce par 4, ça avait l'air d'être en bon état derrière, bref. On a 109 mètres au drapeau, je suis court, je prends un pitch et j'ai une demi-série. On va tenter de planter pas trop loin. On part sur ce par 3, donc je rappelle, c'est un par 4 réaménagé en par 3. On enchaîne sur un par 5 qui est assez intéressant aussi. Il est court, mais pour un slicer comme moi, il est un poil chaud. Les départs vont être là. Il va falloir survoler une pièce et ensuite, on ne le voit pas là, mais ça tourne en dogleg droit assez fort. Let's go. Alignement, tractopelle, tout au fond, en espérant que ça reparte sur la droite. Ouais, par 5 cours, il fait 440, je crois, à peu près des blancs. Donc ici à Rueil, c'est entre le compact et un compact plus, je sais pas comment appeler ça. Mais bon, c'est un peu technique, c'est sympa, c'est 9 trous pas loin de Paris. On peut le faire assez rapidement. Là, je suis seul, en 1h30, ça va être plié. Le drive est bon. Je crois même que j'ai une ouverture vers le green. Je ne sais pas si je peux le toucher avec mon hybride. On va voir ça tout de suite. Énorme gratasse. Bon, encore long, encore 155. Bah pour moi, ça va être
faire 6. Alors, espérant qu'il tombe à 130, 135. Oui, je suis court. Et tout roule un petit peu, on va voir ce que ça va être. Ce sera donc un Miaou Bunker. La balle est là. Elle a tapé l'arbre avant. Une jolie sortie de bunker pour aller là. C'est parti. Ok, ok. Par 4, petit par 4, 285. De l'eau à gauche, de l'eau à droite, de l'eau au fond, mais j'ai aucune chance de l'atteindre. Et chez Lulu, mais c'est fermé. Bon, évidemment, je ne vais pas filmer le drive, tant mieux. Énorme slice, je pense qu'elle est morte dans l'eau. La première balle perdue, on va dropper si c'est. Allez, 110, drapeau, fer 8. Bon, premier double, balle dans l'eau, pénalité. Le premier putt était pas mal, ça roule pas du tout. On va essayer de se caler là-dessus. Nouveau par 4 très court, le jeu c'est pas de sortir le drive, surtout quand on slice comme moi, je vais donc sortir le drive. Je ne veux pas filmer, bien sûr, pour une fois pleine piste. Il reste 87 au drapeau, pitch pour moi. Pas mal au drapeau, enfin au deux. Donc la pitch au putt, c'est chiant. Allez, je vais chipper, on va voir. Bon, bonne option pour le chip, je suis content. Par encore. Plus 3 toujours. On arrive sur un par 3, 144 mètres. Faire 6 pour moi, on a pas mal de vent. Let's go. Alors pour avoir un peu de recul, je vais partir des jaunes, sachant que c'est un peu ridicule, mais les blancs sont là, donc c'est quasi pareil. Merci, merci.
Bon, mauvais contact, mais green, donc on prend tous les jours. On va essayer d'assurer deux passes parce que malgré le doute, c'est pas si mal aujourd'hui. À part, derrière il y a par 3 qui fait 135. Le drapeau est planqué derrière les roseaux, faut les flyer. Faire 6, on continue. Ça peut être pas mal du tout. Bon, pas mal du tout, mais court quand même. Dommage, 3 potes, c'est con. Dernier trou, il y a du vent, c'est loin. 150, hybride. Serait-ce un bunker ? Voilà, c'était Rueil, par un beau temps printanier, 9 trous, je vais être à plus 6, pas si mal. Rectification, hein, plus 5 quand même, merde.